monde, c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer trois produits que j'ai choisis sur le site Godfell. Ils m'avaient contacté en mai pour savoir si j'étais intéressée de tester leurs produits et je me demande si j'ai pas pu. Je crois que j'ai pas pu faire de perso parce que ça ne rentrait pas dans le budget qu'ils m'avaient alloué. Donc à la place, en fait, j'ai pris trois produits. J'ai pris un carnet, j'ai pris un DP à diamants spéciaux et j'ai pris un DP à diamants pleins. Voilà, donc merci Godfell de m'avoir envoyé ces produits pour faire des revues, une revue sur la chaîne. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je vais faire avec les produits une fois qu'ils sont faits aussi pour chacun d'entre eux. Donc c'est arrivé comme ça. Je pense que j'ai confirmé la commande avec eux le 10 mai. Et je l'ai reçu aujourd'hui le 3 juin. Bon, maintenant, ça se pourrait que je l'ai reçu un peu plus tôt dans la semaine parce qu'on n'est pas allé vérifier le courrier, mais c'était assez rapide à recevoir. Donc, trois produits, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé dans le sac comme ça. Donc, c'est ça. Ce sont des produits à plus petit budget pour ceux qui cherchent des produits moins chers. Donc, on a le carnet qui est là et les deux DP qui sont là. On va les regarder après. On va peut-être commencer avec le carnet. Les carnets, vous le savez, j'en achète parce que je les utilise pour prendre des notes lors des vlogs et lors de mes revues, en fait. Quand je veux filmer les revues pour publier sur la chaîne, je prends des notes pour les plus et pour les moins. Donc, c'est pour ça que je les prends. Mais à ce point-ci, j'en ai pas mal. Donc, celui-là, je vais le faire pour le plaisir de le faire et je vais faire un don à Saint-Vincent-de-Paul. C'est un peu comme Emmaüs en France. Donc, je vais le donner, je pense, à la fin de l'année, en fait, je vais prendre tous les DP que je veux donner, je vais les faire, les donner, comme ça, eux, ensuite, ils pourront faire ce qu'ils voudront avec. S'ils veulent les donner à des écoles ou quoi, là. Donc, moi, je les prends, comme je l'ai dit, pour le plaisir de faire ces DP. Donc, ça, je pense que ça en est un que... C'est ça, je pense que je vais le donner à la fin de l'année, celui-là. Parce que j'en ai déjà comme 3 ou 4 et je pense que, pour l'instant, ça suffit. Alors, on a un tourniquet de base, vraiment, vraiment, vraiment de base, avec un plateau... vert, un morceau de cire qui est un peu transparent, bon, et un stylet. Bon, je pense que maintenant vous savez qu'est-ce qui est inclus dans ce genre de kit. Le carnet, il est comme ça, donc on a des chiffres de 1 à, on dirait de 1 à 10, vous voyez, on a le 10 tout autour qui est là, et on a le 10 qui est là aussi, juste là comme ça. Et ensuite c'est ça, ce sont que des chiffres, et d'après ce que je peux voir, tout est bien lisible, hein. Ouais, tout se lit très bien. Ok, ça c'est bien. Je crois qu'on va avoir différentes formes. Vous voyez, là on a comme des gouttelettes. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de strass aussi. Ça colle bien. Je vous mettrai le lien de ça sous la vidéo. Et celui-là, il n'a pas de ligne. Vous voyez, il n'y a pas de ligne. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Et à l'arrière, c'est tout simple, comme ça. Je vais vous montrer les diamants pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être souhaiteraient acheter ce produit. Je vais le faire cette année, celui-là, je pense. Hein. Je vais avoir le temps de le faire. Et je ferai une revue aussi, dans un vlog certainement, avant de le donner. Alors, oh, on a des beaux diamants là-dedans. Il y a des super beaux trucs là-dedans. Alors, je pense que ça va être plus facile de le regarder comme ça que comme ça. Je vais m'assurer que j'ai bien mes 10. Est-ce que c'est ça que j'ai dit tout à l'heure? Il me semble qu'il y a 10. Ouais, j'ai pas vu de 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien tout. Donc, là, on a des strass. Il n'y a pas de facette là-dessus. Je pense que la surface est plate. Là, on a des demi... Des diamants sous forme de... Avec un fini perlé, en fait, AB. On a des grosses strass avec des facettes violées. Ils sont très beaux. Il y a ceux-là qui sont un petit peu plus gros que ceux-là, vous voyez. Ouh, j'adore placer ceux-là. Fini or. Non, là, on a ce que j'appelle des gouttelettes AB, transparents. Là, on a encore des gouttelettes, on dirait. Ouais, magnifique. Rouge. Des strass transparents, des strass violets et des strass jaunes. Je pense que je vais m'amuser à le faire, celui-là. Ouais, je vais m'amuser à le faire. Donc, je vais juste remettre ça comme ça. Et le remettre dans le sachet original, en fait. Comme ça, je garde
ça avec le... Mince, ça entre pas là, non? Voilà, peut-être comme ça. Je sais pas. Ben, vous savez quoi? Je pense que j'ai pas besoin de le garder. Je vais juste remettre le carnet avec ça là-dedans. Comme ça, je sais que ça appartient à ce projet. Et je pense que si j'ai des restes de diamants, ça se pourrait que... Je sais pas si je vais les remettre avec ça. À moins que quand je le finis, j'achète un spray et je mette le spray dessus pour être sûr qu'il n'y a pas de diamant qui se décolle pour la personne qui va le recevoir. Ouais, on va voir. Donc voilà. Ça, c'est un produit. Comme j'ai dit, je vous ferai un retour dans les vlogs. Ensuite, alors, je vous ai dit qu'il y avait un dépôt de diamants spéciaux. Je pense que c'est celui-là qui vient dans cette pochette. Oui, il est magnifique celui-là. J'ai fait des recherches d'images aussi, juste pour m'assurer que ces images ne soient pas prises d'artistes. Là, j'ai rien trouvé pour ça. J'ai rien trouvé du tout, pardon. Elle est magnifique. Regardez comme c'est beau, ça. J'adore faire ça. Vous les voyez dans les vlogs, hein, chaque semaine. Et c'est ça, je l'ai fait dans l'ordre dans lequel je les reçois. Et je les avance pas mal vite, en fait. Donc, je suis contente. Ça colle. J'en ai eu qui coulaient un petit peu mieux, mais ça colle quand même. Je vais replacer ça comme ça et ça aussi. Mais ouais, ceux-là, j'aime bien les faire une fois de temps en temps pour me donner un break des gros DP que je fais à diamant carré ou à diamant rond. Mais regardez comme il est trop beau. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le toolkit qu'on a pour ça, c'est le même que tout à l'heure, sauf qu'on a une pince en plus. Ensuite, les diamants sont là. On va les regarder dans une petite minute. On a un numéro de modèle DZ555. On le retrouve là. Donc ça, c'est cool. Je pourrais mettre ça dans mon bac parce que j'ai une référence. La taille, ils disent que c'est du 30 par 30. Je vais vous confirmer ça. Je pense que c'est avec les bords blancs. C'est du 24, ça. 24 par 24, pour ceux qui aiment mettre ça en portfolio, comme ça, vous le savez. Moi, ça va définitivement rentrer en portfolio, ça. Et on a au total 8 types de diamants différents. Vous voyez, on a une légende ici et on a une légende ici. Et là, les étapes pour faire du DP. Donc, les symboles sont très faciles à lire. Ils ont mis des codes DMC, bien que, bon, je ne pense pas que ça soit des codes DMC. Non, ça ne l'est pas. Voilà, et au niveau de la, au niveau des symboles, je ne vois aucun problème. Non, tout a l'air bien lisible. Ouais, tout est beau. Non, tout est beau. En revanche, ces petits trucs comme ça... Alors, attendez, c'est où? C'est là, là. Ça, j'aime pas mettre ça parce que c'est minuscule. Mais on dirait pas qu'il y en a une tonne. Il y en a là, il y en a là, là et là, pardon. Et il y en a là aussi. Attendez, on va regarder qu'est-ce que c'est. Donc, on a dit combien? 8 couleurs différentes. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai bien mes 8 couleurs. On a vraiment un mélange de différents types de diamants. On a des strass transparents. On a des strass bleus. Et là, on dirait qu'on a deux sacs de diamants en résine ou en acrylique. Je ne suis pas sûre. C'est comme du blanc cassé. Ça va être intéressant de voir un mélange entre ça et ça sur la toile. Hein. Parce que c'est vrai que normalement, ce sont que des strass, en fait. Et ceux-là, comparé à ceux-là, ils sont à peine un peu plus clairs. À peine. Ah, et c'est ça que je vous disais que j'aime moins placer. C'est tellement petit, regardez ça. Donc on a deux couleurs. On a ces formes allongées qui ont plein de facettes. Et on a, je crois que ça s'appelle des yeux de chat, ça. Bleu. Mais attendez, alors j'ai pas tout vu où est-ce qu'on allait mettre ces petites formes. Je regarde. Ouais, parce que j'ai vu... Je vois le vert, là. Le vert, là. Ah, et l'autre, c'est le rouge. C'est éparpillé un peu de partout, vous voyez. Ça va là, 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 là. Mais bon, je pense qu'une fois fini, il va être magnifique, celui-là.
Ouais, il va être super bon. Donc ça aussi, je vais le remettre dans son packaging original. Et c'est ça, j'ai vu des gens qui m'ont dit, ah, c'est cool de voir maintenant des DP à plus petit budget. Donc voilà pourquoi je vous montre des produits comme ça aussi. Donc ça, c'est le deuxième. Et pour terminer, la dernière image que j'ai trouvée sur leur site. Il faut que je fouille hein, sur leur site parce que la plupart des images, malheureusement, je ne peux pas les montrer sur la chaîne à cause des droits d'auteur. Mais j'ai trouvé une image que l'on retrouve sur Pixabay. Donc du coup, ça, je peux vous le montrer. Donc c'est arrivé là-dedans. Et c'est un portrait. Et je l'ai reconnu de suite parce que j'avais pensé à un moment donné la faire en perso, celle-là. Et quand j'ai vu qu'il l'a proposée, ben, je me suis dit, ben, c'est l'occasion. Maintenant, je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans une petite taille. Alors, c'est celle-là. Mais en revanche, j'ai pas le nom de l'artiste avec moi, là. Mais c'est ce portrait-là. Et alors, attendez, parce que j'ai marqué... Ouais, j'ai marqué Pixabay sur ma feuille, mais j'ai pas noté de quel artiste. C'est dommage. Parce que, ouais, ça, c'est définitivement une image qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux, là. J'ai aucun souci avec ça. Donc, encore une fois, on a le toolkit. Cette fois, on a un gros morceau de cire, bien opaque, avec un stylet et le plateau. C'est tout. On a les diamants qui viennent en ribambelle, qui sont là. Une palette un peu plus neutre, hein, un peu plus terne. Mais moi, ça ne me dérange pas une fois de temps en temps pour changer. Et la toile, donc vous l'avez vu brièvement. Mais je vais la rouler dans le sens inverse parce que ça, c'est de la colle coulée. Donc, je la roule comme, vous voyez, je la roule comme ça dans le sens inverse. Je l'aplatis un peu. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Elle est quand même jolie, je trouve, même dans cette taille. Je vais vous confirmer la taille. Dans une petite minute, je vais juste enlever ça et le replacer. Et je vois les youtubeurs américains aussi maintenant faire un peu plus de vidéos sur ces compagnies qui proposent des diamond painting à plus petit budget. Donc c'est cool, ça me donne des idées aussi pour les vidéos, mais je sais pas comment eux ils recherchent leurs images en fait. Voilà. Ça va être un DP télé aussi à un moment donné. J'avance petit à petit. Là, j'ai bientôt fini la fleur, la rose rouge. Au moment où je filme, je travaille encore sur la rose rouge, mais j'ai presque terminé. Et comme je vous l'ai dit, je vais aller dans l'ordre dans lequel je les reçois. Donc ouais, ça va être un DP télé, mais ça m'étonnerait que ça soit cette année, celui-là. Ça m'étonnerait parce que maintenant, j'en ai pas mal. Alors, ici, on a un numéro de modèle. Le B331 que l'on retrouve là. Donc ça, c'est nickel. Je sais que ces diamants appartiennent du coup à cette toile. Ça nous dit du 30 par 40. Je vais vous confirmer la taille pour encore une fois ceux et celles qui aiment mettre ça en portfolio. Donc c'est du 24,8. Il faut que je prenne l'autre mètre. Ouais, je vais prendre celui-là. Sur du sa gondole 34,78, donc ouais, c'est petit, mais moi je trouve franchement que pour une taille d'une toile de petite taille, ben ça ressort bien, étonnamment ça ressort bien. Et moi je risque de rajouter des strass, vous voyez là dedans là et là dedans dans son collier, même dans ça. Ah ouais, ça va être beau. Et peut-être du AB dans le J et le I là. C'est plutôt le I que je vois là. Moi, je risque de mettre du AB là-dedans et du AB dans les fleurs. Mais franchement, elle est trop belle pour une toile de petite taille comme ça. On a quand même 24 couleurs. Donc, on a que des lettres. Et on a les codes DMC. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez, c'est que des lettres. Je regarde pour les symboles qui pourraient se ressembler. Mais je ne vois rien en regardant comme ça vite fait. On a aussi une légende ici. Et au niveau de la qualité des symboles, on va la regarder. Donc déjà, ce que j'aime voir, c'est qu'il n'y a pas de cercle autour des symboles.
Le haut est un peu flou là. À peine, je trouve. Mais on le lit quand même. Hein. Là aussi, c'est bien lisible. Là aussi, là aussi. Ouh là là, regardez cette zone de confetti là. Ouais. Ça, c'est du confetti. Le G est un peu flou aussi, hein, je trouve. Le G qui est juste là, là où il y a mon ongle. Ouais, c'est un peu flou, ça aussi. Bon, en général, je pense que ça va aller. Voilà. Ah, ben, vous voyez le G là. C'est ça que je dis, le G est flou. Ouais. Je veux quand même vous le mentionner au cas où que vous aimeriez acheter cette toile. Ouais, beaucoup de confettis sur celle-là, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Et au niveau des diamants, on va regarder ça. Déjà, je vais m'assurer, est-ce que ça... Normalement, ça doit... Oh, ça colle très bien. Il n'y a aucun souci au niveau de ça. Et ça, je vais sûrement la mettre sous le matelas pour que ça s'aplatisse encore plus vite. Bien que, comme je vous ai dit, là, j'ai pas mal de DPTLé à faire. Donc, je pense que ça ne va pas aller avant l'année prochaine, ça. Alors, au niveau des diamants, donc on a dit qu'on a 24 couleurs. Donc, je vais juste m'assurer et vous dire si j'ai bien 24 sacs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, on a tous les DMC, donc ça, c'est cool. En revanche, alors sur les sacs, il n'y a pas les codes DMC. Vous voyez, c'est le 19 et ensuite, ça c'est la 18e couleur, 19e couleur et ils mettent juste le numéro de modèle. Mais je peux vous montrer les couleurs à l'arrière des sacs, juste pour vous donner une idée de la palette de couleurs. Donc vous voyez, on a un vert un peu gris là, on a des gris, pas mal de gris, encore des verts, du beige, un vert foncé. Ouh, c'est beau ça. Vous le voyez un petit peu plus foncé. Du bleu, bleu foncé, ça c'est du vert kaki mais pâle. Du beige, ça rend pour sa peau, encore du beige. Ça c'est beau comme couleur. Une espèce de beige rosé, je le vois à l'œil nu. Ça c'est du rose, du vert, couleur vin, du bleu foncé. Ça c'est bizarre comme couleur, c'est entre du bleu et du vert, très foncé. Et ensuite, on a des couleurs beige là-dedans, vous voyez, si je le mets comme ça. Ça, c'est un beige qui tend vers le violet. Ça, c'est un beige qui tend vers le jaune vert à l'œil nu, hein, parce qu'à la caméra, vous le voyez différemment. Ça, c'est un rouge. Ça, c'est violet, ça. Il y a de la statique. Alors, moi, ça m'indique que ce sont des diamants de bonne qualité. Et un beige qui est là. Ouais, c'est une belle palette de couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et comme je vous ai dit, je risque de faire des substitutions là-dedans. Alors, je vais ranger les diamants. Voilà. Donc, c'est ça. Juste pour récapituler, je vous montre ça. Encore une fois, que je rappelle, c'est une image de Pixabay. J'ai ma petite... je ne sais même pas comment appeler ça, mais c'est trop beau, ça. Et finalement, j'ai le carnet. Donc voilà les trois produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous mettrai le lien vers chaque produit en barre d'infos si vous souhaitez aller les acheter. Je pense pas qu'ils m'ont donné de code pour vous. Hein. Je pourrais demander une fois que je vais leur envoyer le lien vers la vidéo. Donc si vous souhaitez savoir s'il y a un code, regardez dans la barre d'infos, je vous mettrai les informations. Mais c'est ça, merci encore une fois à Gutfeld de m'avoir envoyé ces produits et comme je vous l'ai dit, ça on va le voir dans les vlogs à un moment donné cette année, je suis pas mal sûre, mais ça je pense que ça va pas être avant l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt, bye bye.